donc se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de The Witcher sur PC. La dernière fois, on s'est arrêté après avoir ouvert la porte, avoir fait le tour et ouvert la porte pour laisser passer nos coéquipiers. Et on va tout de suite continuer. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi, oui. Qu'il faut que je me fasse un tout petit peu aux commandes. Parce que ça peut être détruit. J'ai vu épouvanteur. On peut pas. Ici, on peut passer au moins. Non, on peut pas. Attendez, il y a une véritable accélération de la souris, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est noté quelque part ici? Non. Bizarre, c'est pas grave. Hein. Et qu'y a-t-il là-bas? J'ai vu noté épouvanteur, ici peut-être quelque part, non? Non, rien. D'accord, c'est pas ici. Ce sera pour plus tard sûrement. Donc j'espère que la première vidéo vous aura plu. Parce que moi ça me fait plaisir de faire ce let's play. Et on va tout de suite rentrer dans la... Enfin, avant de rentrer dans la cathédrale, on va parler à Léo. Prêt, Geralt? Oui. C'est ton premier combat? Non, mais je n'ai jamais tué un homme. Ne t'éloigne pas. Allez, let's go. Nous sommes en duo avec Léo d'ailleurs. On va tout de suite commencer. Donc j'espère que le son est bon, que l'image est fluide, etc. Là c'est pas très fluide, c'est à 5 FPS pendant les temps de chargement, ouais. Et là c'est à 200 FPS pour moi, Lambert, ouais. Lambert me dit que je ne serai jamais aussi rapide qu'un vrai sorceleur. Mais j'ai réussi à le toucher à l'entraînement aujourd'hui. Vous avez battu Lambert? Nous faisions de l'escrime, quand l'orage a éclaté. Lambert a tourné la tête, j'ai fait une pirouette, et je l'ai touché au ventre. Il est resté debout et ensuite... il m'a battu. Vous ferez un excellent escrimeur. À chaque fois que Lambert me bat... il dit que j'ai du potentiel. Ma maman me dit que je suis spécial. C'est tellement ça. Ok. Alors, esquive en mode caméra, puis deux fois sur une nouée. En arrière. Ça marche pas, bizarre. C'est bon. Voilà. Ah ouais, c'est un mode combat, c'est vrai. 1, 3. Vous avez mal choisi votre adversaire. C'est bon. Pour changer de style de combat, c'est quoi déjà? C'est X. C'est bien ce que je pensais. X et... j'avais oublié. Alors, aucun cadavre à ramasser. C'est bon, j'ai vu poulet. Ah non, c'est Pandry. Désolé, j'ai le poulet. Poulet. Style en groupe, vous venez de rencontrer. D'accord, j'ai compris. Voilà. Mais non, je l'ai tué. Non. Tout transféré. Ah oui, d'accord, on peut prendre les restes des autres, je ne savais pas ça. On va tout prendre. Petit tour. Hein. En arrière sûrement aussi. Non, même pas. D'accord. Ça va, j'aime bien l'interface, ça fait un peu ancien, mais c'est normal. Ici, je vais voir là. C'est verrouillé, d'accord. Ces escaliers mènent au labo. Allons-y. Directement. Eh ben. Il
L'énergie puisée au cercle des éléments suffira pour arrêter les sorceleurs. Vous tremblez. Et vous qui pestiez de crainte que Savola les ait tous avant vous. Un seul sorceleur, fût-ce loup blanc, vous effraie donc à ce point. Ce tueur patenté dont vous parlez et que l'on tenait pour mort, je le défierais volontiers. Léo, recule. Allez, petit professeur. Le temps est crucial. Ils ne peuvent rien contre le pouvoir du cercle des éléments. Ok, d'accord. Au travail, je veux les mutagènes prêts pour la téléportation dans 15 minutes. Ces sorceleurs n'y pourront rien. Donc je rappelle que ce let's play sera en alternance avec Mass Effect. La barrière magique a l'air solide. Il nous faut Triss. Il nous pille ! Geralt, dégagez le passage avec un signe ! Un signe ? Celui d'Ard. Je ne peux pas le faire. Je me suis cassé les doigts sur le dentelet. Lancez le signe d'Ard sur les gravats. Les signes, ça ne me dit rien. Allons au cercle des éléments. Une immense source d'énergie. Vous devez vous souvenir des signes. Allons-y. C'est le rez-de-chaussée. Je regarde quand même, il y a un coffre ici, je l'ai vu. Cercle des pierres murmurantes. Cliquez sur la pierre pour apprendre un nouveau signe. D'accord. Petit tour avant. On a le temps, c'est pas chronométré. Donc on peut mettre la partie en pause sur, en faisant espace, j'avais oublié ce petit détail. Alors ? On va voir ça dans un instant. Je savais que ça allait marcher. Remontons avant que Lambert ne tue l'épouvanteur tout seul. Ard. Le signe A crée une télékinésie qui sert à déplacer les obstacles et à renverser vos ennemis. Cliquez sur la cible avec le bouton droit de la souris pour lancer le signe Ard. Down. Ils sont faciles à tuer en un seul coup, d'accord. Si je peux pas reprendre. D'accord. Allons-y. Ah non, ici, d'accord. Ça marche pas. Ça marche plus. Ok, je l'ai tué comme ça. Alors, à mon avis, c'était pas ce qui était prévu. Ah, c'est en train de surcharger en haut, d'accord, je vois. Donc on attend. On doit attendre de façon. On va lui parler un peu pour voir. Sur les gravats qui encombrent l'escalier. Oui, j'attends de pouvoir en lancer un. C'est la deuxième barre, hein, la barre jaune, la barre de sort. Donc voilà. Nous sommes retournés à l'extérieur. Qu'avez-vous appris ? Les bandits ont fouillé le labo. Leur mage s'est servi du cercle des éléments pour dresser une barrière magique. Peste ! Aussi naïf que des enfants ! Il fallait me parler du cercle. Triss, mon enfant, pour nous, c'était accessoire. Le mage s'est aligné sur le cercle pour créer un portail depuis lequel il peut se rendre n'importe où sur le continent, en emportant votre équipement. Nous avons commis une erreur. Mais vous disiez que le mage était inoffensif. Non, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Avant tout, nous devons protéger le labo. Du calme, Marigold. Nous savons que vous aimeriez étudier nos secrets. Vesemir, je ne réponds plus de moi-même si cet imbécile ouvre encore la bouche. Assez ! Lambert, cessez de tarabuster Triss. Soyez plus respectueux. Triss, si nous allons tous au laboratoire, ils nous encercleront. On ferait mieux de se séparer. Geralt a raison. Nous devons tuer l'épouvanteur et protéger le labo. Nous devons nous séparer. Qui fait quoi ? Je descends. Moi seul peux briser la barrière. Vesemir ? Je reste et je me charge de l'épouvanteur et de Savola. Et vous, Geralt, vous pourriez nous être utile. Je vais suivre Triss. Le laboratoire prime. Je vais suivre Triss. Moi aussi. Esquelle et Lambert resteront avec moi. Savola vient de lancer un sort. Il se passe quelque chose. D'accord. La terre tremble. Vous le sentez? Ils sont passés.
mission. On va pouvoir affronter les deux si j'ai bien compris. Non, on doit aller au laboratoire. Protéger le laboratoire. Je sens que ça va se mal passer pour un des deux groupes. J'espère que vous entendez pas mon clavier et ma souris, si c'est le cas, vraiment désolé. Un dur combat t'attend. Prends cet élixir de chat-huant. Tu récupéreras un peu d'endurance. Ce qui compte le plus contre les mages. Allons-y. Alors, l'élixir de chat-huant. D'accord. Ça, c'est le sac d'alchimie. D'accord, ça, c'est quoi? C'est un part, il y a une vitalité. D'accord. Ok, ok. Donc le labo c'est par là-bas. C'est ça va là lui? Ça va là? Halte Blanchette! Je vais invoquer un puissant démon qui te brisera en deux. C'est de l'esbrouf. La téléportation l'a épuisé. Il ne peut rien faire de plus que ces éclairs magiques. On le réduira en miettes, et on s'occupera de vous avant que la barrière ne lâche. Ne jamais sous-estimer un adversaire. Maintenant l'énergie de mes frères me rendra plus fort. Que faut-il que je fasse? Je vise ses frères. On a visé ça. Qui est représenté, mais à chaque fois vous lancez un signe. Quand on tombe durant cette base, vous ne pouvez plus lancer de signe. D'accord. Personne ne peut défier la salamandre. Personne. Il est là, il a juste disparu. Défends-toi, salope! Hey, calme-toi avec les mots, toi. Voilà, Sabra est mort. On va le fouiller. Il t'a eu? Tu es blessé? Non. Même si ces lumières étaient magiques, je vais devoir affronter un magicien très puissant. Je voulais aider, mais je n'ai pas pu passer cet étrange cercle. Savola a mordu la poussière. Voilà ce qui compte. Nous devons aider Triss. Allons-y. Alors, Dolorin, des Silex et un Saphir, tout prendre. C'est tout ce qu'il y a normalement. On va prendre un peu de vitalité avec un petit pain. Oh putain, c'est la rage. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je fais quoi? Je ne sais pas. Je crois que je me suis trompé, mais c'est pas grave. Please. Non. Il retourne tout le laboratoire. Notre mage, c'est... Je l'ai sous-estimé. Vite! C'est vrai que niveau doublage j'aurais pu mieux faire, mais... Entrer en mode... Ouais, d'accord. Ok, les rayons de lumière qui sont un peu bizarres. Bon, on y va. On va sûrement mourir, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux sauvegarder? On va sauvegarder un coup. Allons-y.
Ça y est, j'ai ce que nous cherchions. Professeur, occupez-vous des sorceleurs. Ah, flûte, il est parti. Les sorceleurs sont maîtres Esparad, non ? Voyons ça. Léo, non ! Encore un conte de fou. Qu'est-ce qu'il a ? Côte brisée, poumon perforé, c'est la fin. Vite ! Une décoction de Raffard Leblanc. Tenez bon, Léo. C'était là. Je ne trouve rien. Vézémir, Léo est mort. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais mettre les mots anglaises. Comment est-ce arrivé ? Il a attaqué le professeur. Je suis arrivé trop tard. Ce n'est pas votre faute, Geralt. Nous sommes tous responsables. Triss a failli perdre la vie. Ça à l'époque pour les sorceleurs. Et quelque chose me dit que ça va empirer. Et ici, vous contrôlez la situation ? Plus ou moins. Il reste quelques traînards dont nous nous occuperons plus tard. Vous avez l'air fatigué. Reposez-vous. Je monterai la garde et veillerai le corps. Cliquez sur l'icône méditation, ouais... D'accord. À plus tard. Des mousses et des herbes. L'odeur est entêtante. D'accord. Dire que l'on m'a couché ici. Alors, deux hirondelles. Bien, bien, bien. Quelque chose derrière ici, non ? Il ne manque plus qu'un mage qui saurait quoi faire de tout cela. Nous allons passer par là. Oui ? Je vais reposer et me préparer. Vous avez gagné des talents. Utilisez-les pour améliorer les compétences du personnage, attributs, signes et styles de combat. Sélectionnez l'élément amélioré dans la liste à gauche, puis choisissez l'une des améliorations dans l'arbre de compétences à droite. Pour valider votre choix, cliquez sur le sablier, ou pour annuler la dernière répartition des points, cliquez sur l'icône de la main. Alors, ouais... Dans la liste à gauche, d'accord. J'ai 3 points de talent, d'accord. 3 points de talent de bronze. Donc je suis niveau combien exactement là ? J'ai pas bien vu. On reste à... On va faire une heure, tiens. Voilà. Nécessite un talent or. D'accord, on commence par ça. Dégâts, parade. C'est quoi ? Attaque esquive. Endurance régénération. Intensité, d'accord. Possibilité. On va déjà regarder ça. Glaive d'acier face à des ennemis communs. Face à des ennemis surnaturels. D'accord, pour le moment, les ennemis communs sont ce qu'il nous faut. Voilà. Enfin, on va retourner tout en arrière. Ça, ça. Et ça. Voilà.
Le sablier, où est-il? Attendez, je ne trouve pas le sablier. Où êtes-vous, monsieur le sablier? Je dois être aveugle là, mais je vois juste annuler la dernière répartition et c'est tout. On va fermer. Non, ouvrir. On va regarder dans le journal, il y a quoi? Non, c'est les didacticiennes. Ok. Donc normalement c'est là. Et je ne vois pas de sablier. C'est bizarre ça. Ah oui, c'est bon, d'accord. J'ai vu. Excusez-moi. Je l'avais pas très bien vu. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheusDead pour la JTBan HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo!